parti, Loïc, ben, je pensais faire l'interview un peu plus tard. Mais malheureusement, la voiture en aura décidé autrement. Et oui, voilà. En effet, après la deuxième, ben, c'est fini pour nous. Mais on a quand même bien roulé. Première spéciale, on était quand même premier de classe. Donc on était quand même bien. Puis alors la deuxième, ben, c'est l'embrayage. Le câble. Je vous détour. Loïc, c'est la mort dans l'âme qu'on doit abandonner quand c'est comme ça, surtout quand on est premier. C'est frustrant, oui. On avait envie de terminer et de faire une belle course, surtout qu'il fait beau et le parcours était pas mal. Donc ouais, c'est frustrant. Voilà. On n'a pas le choix, c'est comme ça, malheureusement, la mécanique, on peut rien y faire. Le parcours, justement, venons-en, tu viens d'en toucher un mot, piégeux, mais agréable à faire. Bah, je dirais que la partie asphalte était très bien et sans trop de pièges, c'était surtout la terre qui était très, très cassante et très piégeuse, c'est technique aussi. Mais sinon, le début de spécial, un peu la partie chaud était assez bien et pas facile mais correct. Et une fois la partie terre passée et la partie terre surtout, c'était très technique et plus piégeux. Cathy, la partie du rallye que tu as préférée dans cette spéciale, je vais citer trois endroits que j'ai repérés. Donc le départ, évidemment, avec la chicane, enfin quand tu remontes de la fin de boucle, la chicane, la série, comment on va appeler ça, la série où tu as l'enfilade de S, et il y a ici le bois. Partie préférée? Je ne saurais vraiment pas te dire. J'ai bien aimé le parcours. Maintenant, oui, le bois, pas trop fan. Maintenant, ben voilà, faut passer partout de toute façon. Mais sinon, je saurais vraiment pas te dire mon endroit préféré comme ça. J'aime bien la spéciale en général. Alors là, c'est paradoxal. Parce que dans le rallye, quand on parle rallye, généralement, on s'attend à avoir de la boue, de la terre. Et toi, t'es pas du tout fan de ça. Non. Non, parce que c'est toujours des endroits, à la limite, qui me font un peu plus stresser. Peur de glisser ou je sais pas, c'est pas ce qui peut arriver. Mais maintenant aussi, ça peut être fun aussi. Hein. Je dis pas, je me suis déjà éclaté dans des terres. Mais nous, ici, c'est un nouveau qu'on ne connaissait pas du tout. Donc... c'était assez quand même, j'appréhendais quand même. Loïc, niveau de l'organisation, pas mal ici me disent que c'est une organisation au top. Tu partages leur avis? Oui, globalement c'était pas mal. Maintenant au niveau du roadbook, je pense qu'il y avait peut-être moyen de faciliter un peu la tâche aux copilotes. Maintenant ça fait partie du jeu, mais sinon oui, niveau organisation c'était pas trop mal. Et le parcours beau, donc ça va, globalement c'est positif. Avoir une femme copilote, c'est spécial? Non. On est un peu misogyne. Non, du tout. Que ce soit une femme ou un homme, je pense que c'est pareil. Tant que les deux jouent, enfin que ce soit l'un ou l'autre, tant que ça fait le rôle et le boulot, je pense qu'il n'y a aucun souci. Je ne vois pas d'inconvénient, parce que déjà, la saison passée, une grosse partie de la saison était une femme, ma copilote. Et donc non, j'ai aucun souci avec ça. Je dirais qu'une femme a plutôt tendance à apaiser peut-être, non? Quand on est un peu trop nerveux, ça a plutôt un effet relax de détente. Je ne sais pas vraiment expliquer. Oui, sans doute qu'il y a un peu de ça. Maintenant, je pense que ce soit un homme ou une femme, si on se complète bien l'un à l'autre, ça peut bien aller et ça peut le faire. Toi, Cathy, t'as par contre la question que je vais te poser. Non, bah non, non, justement, c'est toujours mieux. Non, je rigole. Bah, oui, ça peut être apaisant peut-être pour d'autres, je ne sais pas. Maintenant, bah voilà, faut faire aussi des équipages mixtes aussi, pas toujours que des hommes. Sinon, ce serait pas marrant. Hein. Non, et puis la femme a sa place aussi dans le sport auto. Hein. Bon, on dit toujours la femme à la cuisine, mais pas du tout. C'est fini, ça, la femme a son mot à dire partout. C'est certain, on a le droit aussi de profiter aussi des moments, je veux dire, de détente d'un côté et de stress de l'autre. On a le droit, oui, maintenant, il n'y a plus des trucs pour hommes et des trucs pour femmes. Maintenant, tout est mixte, enfin, presque tout. J'ai encore une question pour toi, Cathy. Toi qui as roulé la semaine dernière avec Johnny sur une Peugeot, si je me rappelle bien, oui, la Peugeot. Par rapport à la Suzuki, qu'est-ce qui est le plus agréable? C'est peut-être un peu délicat. C'est peut-être au pilote qu'on devrait poser cette question-là, qui devrait comparer l'une ou l'autre. Mais en tant que copilote, on est mieux dans une Suzuki ou dans une Peugeot? Ou une autre voiture, si tu as une préférence ou... C'est ce que tu as déjà testé, en fait. C'est pas à comparer, parce que bah, c'est des voitures tout à fait différentes. Bah, y a les sièges qui changent aussi. Ici, voilà, par exemple, dans celle-ci, je suis plus basse que dans la 106, je suis plus haute. Le siège, bah, voilà, ici, bah, il est un peu plus rigide que l'autre, bah, il est un peu plus moelleux. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison du tout. Au niveau moteur, alors là, je ne sais pas. Ça fume derrière, mais rassurez-vous, c'est pas la voiture, c'est un petit barbecue. On va manger une petite viande, une petite côtelette bien grillée.
En guise de réconfort, hein, Loïc. Voilà, exactement. On va manger un petit bout, boire un verre et puis on rentrera tout doucement à la maison. Alors, la prochaine fois qu'on te voit, Cathy ? Normalement, un Comblet avec Johnny. Si tout va bien. Sur la Peugeot. Et puis, alors, on verra pour la suite de la saison où on s'engagera encore. Okay. Et toi, Loïc, la prochaine fois qu'on te voit ? Bah, la Principauté. La Principauté et sur quelle voiture, je sais pas encore. Un beau rallye aussi, ça, la Principauté. Tout comme Comblet, d'ailleurs. Ce sera la première fois pour moi, étant donné que c'est que ma deuxième saison et la première a été assurée par le Covid. Donc, on n'a pas su disputer tous les rallyes qu'on aurait espéré. Donc, ce sera la première fois pour moi, on découvrira ça. Le rallye de la Principauté, c'est le fief de Philippe Hellings, une figure emblématique du paysage liégeois. Tu le connais ? Bah, je connais de nom, bien sûr, un peu de vue, mais sinon, non, sans plus. Personnage agréable, franchement, des soirées de fou rire avec lui, tu pourras en passer. Rencontre-le, tu vas voir, tu vas t'amuser. Cathy Comblet, voilà, c'est un beau rallye aussi. Ouais. Piégeux, difficile ? Ouf, si, alors là, très bonne question. Je l'ai fait l'année passée ici, les Bonnes Souffrances, avec Mickaël. Je m'étais bien amusé. Maintenant, je ne saurais pas dire déjà si c'est la même spéciale ou non. On verra bien, ça c'est surprise. Mais l'année passée, je ne me rappelle pas s'il était piégeux ou pas. Je ne me rappelle vraiment pas. De toute façon, le principal, c'est de prendre du plaisir. Quoi qu'on fasse, sur n'importe quel spécial, on a toujours les mêmes amis, en fait. Hein. C'est toujours avec Aurore, Christophe, Bouba donc, hein, Jean. C'est toujours la même équipe et c'est toujours la même ambiance quand on est ensemble. C'est certain, c'est une super bonne équipe, super bonne ambiance. Ils sont toujours là pour aider quiconque a un souci. On l'a bien vu ici. Jean a vraiment fait tout ce qu'il pouvait, ainsi que son papa et l'ami de son papa. Ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient, malheureusement. Voilà. Mais sinon, oui, non, c'est une chouette, super chouette équipe. À bientôt, les amis. À bientôt. À bientôt, merci. Merci à vous. Magnifique, merci. Tu vois ?